Salut tout le monde, c'est Mandy, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un canular, je suis en compagnie de GG. Salut tout le monde. Voilà, donc on se retrouve pour un canular, donc ça faisait assez longtemps. Donc là, je vous explique, je vais appeler Micromania, et je vais leur parler en langage Call of Duty et leur dire que j'ai eu un problème sur la Xbox. Micromania 1900, bonjour. Ouais, bonjour, j'aimerais donc pour un renseignement s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur la Xbox 360? Oui, vous voulez savoir quoi? Vous voyez, en fait, bon, c'est assez bizarre, je vais vous raconter. J'étais sur Modern Warfare 2, j'étais en MME avec ma team et tout. Et puis, on se faisait une partie de recherche et destruction. Enfin, parce que j'ai dit MME, mais bon. Et à un moment, ma Xbox m'a envoyé un message comme quoi mon abonnement venait d'expirer alors que je venais acheter d'un abonnement de 3 mois, à peine hier. Vous avez envoyé un message pour vous prévenir que l'ancien abonnement allait expirer. Peut-être, oui. Ouais, parce que généralement ils avertissent 2-3 semaines avant que l'abonnement qui est en cours va expirer à telle date. Quoi. D'accord, et donc ça n'a rien à voir avec la recherche et destruction là, sniper et tout? Ah non, pas du tout, non, ça c'est juste Xbox Live. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie, au revoir. Au revoir. C'était galère. Putain, j'ai essayé de dire de la merde, mais tu sais, j'ai dit que je faisais une MME, ensuite que je faisais une recherche de... Ouais, mais bon, ouais. En plus, tu sais, je fais... Ouais, est-ce que donc ça a rien à voir avec la recherche et destruction? Allô? Allô, bonjour. Je suis dans une entreprise et on m'a contacté... Comme quoi, vous avez Attendez, un problème. Vous ne devez pas être au bon numéro. Qu'est-ce que vous cherchez? Ce numéro m'a contacté pour me dire que vous avez un problème de pigeons dans votre famille. Donc, je suis une entreprise pour éradiquer les pigeons. Attendez, vous n'êtes pas au bon numéro. Hein. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de pigeons dans votre famille ou comme ça? Ah non, non, là, vous êtes chez un particulier. Ah. D'accord, bon, ben, excusez-moi, mais si vous avez des pigeons, appelez-moi, voilà. Donc, Oui, mais non, ça ne me concerne pas. Ah bon, c'est bizarre. Bon, ben, allez, au revoir. Au revoir. Enfin. Ouais, c'est ça. C'est bien, hein. Oui, allô? Allô? C'était pour savoir, j'ai vu ton numéro sur Facebook, t'es jolie toi. Comment? T'es beau toi. T'as vu mon numéro sur Facebook? Ouais. What the fuck? c'est pas normal. Ah bon? Bah pourtant... J'aime bien ta photo de profil. Ouais, t'es qui? Et moi, je suis Mélanie. Mélanie qui? Mélanie Mise. T'as dit quoi? Quoi? T'as dit quoi? Mélanie Mise. Ouais, t'as mis tout? Non. Pourquoi? C'est bien normal que tu connais ça. Ah bon? Ah non. Surtout mon image de profil, c'est pas du tout comme ça. Non mais je dis qu'elle. Ah ouais? Ouais. 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 Bah écoute, c'est bien. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Bah écoute, on va se laisser, hein. C'est pas que ça va faire. Ah mais non, mais j'étais bien avec toi. Mais quoi? Non, rien. Oublie. T'as dit quoi? Laisse tomber. Mais t'as quel âge? Quoi? T'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans? Ouais. Non, mais c'est pas possible. Et pourquoi? Je sais pas, mais t'as dit que t'habitais où?
Quoi? Il t'a dit que t'habitais où? Je comprends pas ce que tu dis, articule. Tu habites? Ah, à Bayonne. À Bayonne? Ouais. Et envoie-moi ton nom en SMS, si je n'ai pas compris. De quoi? Envoie-moi ton nom en SMS. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envoyé. Mais c'est quoi ça, SMS? En texto. En texto. En texto ou en SMS, quoi. Ah oui, le texte. Ah oui, je vois le texte, mais par un courrier ou un, la boîte aux lettres, quelque chose comme ça. C'est quoi ton nom? Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est rien. Un mail? Un email? Non. Ben, un quoi alors? Moi, je sens que c'est une grosse blague, c'est pas drôle. Non. Non, j'ai peur. Mon putain. Mais n'aie pas peur. C'est pas chez moi, ça. Ta gueule. Ta gueule. Ouais. Je sais que c'est une blague. Mais d'ailleurs, je crois qu'il sait qui est derrière tout ça. Parce qu'en plus, tu sais pas faire une bonne meuf. C'est qui? Enfin, très dur à dire. Parce qu'en plus, tu m'appelles avec aucun identifiant. Donc en plus, tu me prends pour un con. Ah oui, en plus, tu me prends vraiment pour un con. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, Salut. Oh. Attends, on rappelle. Ah, je suis. Allô, François. Ah, c'est moi, ça va. Je vais faire quoi, au contraire. Ah, elle est bien, sa musique, hein. Allô? Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Ah, le bat... Il a éteint. Attends, je vais rappeler. Oui, allô? Ouais, je peux te demander un truc. Est-ce que tu penses que si je mets la ADMR7... De ah non, 260. Attends, tu peux juste fermer ta gueule, et la prochaine fois que tu m'appelles en masqué, je te bloque de partout. D'accord. Veuillez ne pas quitter, nous allons donner suite à votre appel. Ouais, c'est ça. Vite! Par ma chaise archive et salle, bonjour. Allô, bonjour, j'aimerais bien commander une chambre, s'il vous plaît. Pardon? J'aimerais bien commander une chambre, s'il vous plaît. Bah, une chambre d'hôtel, je suis bien à l'hôtel. Ah non, vous êtes dans une pharmacie. Ah bon? Oui, tout à fait. Autant pour moi, désolé. Désolé, bonne journée, au revoir. Au revoir. Oh, putain, j'ai oublié de. Ah putain, j'ai oublié de copier-coller, je suis trop con. Attends. Hôtel Amiral, bonjour. Allô, bonjour, j'aimerais bien réserver une chambre pour demain si possible. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner les tarifs, s'il vous plaît? C'est pour combien de personnes? Pour une personne. Pour une personne, c'est 95 euros la nuit. Ah, d'accord. Et si, par exemple, on met le lit dehors, ça fera moins cher ou pas? Si vous voulez. D'accord, super. Et au pire, si vous voulez, vous me la faites gratuit la nuit, non? Si vous voulez, si vous êtes dehors, vous pouvez le faire gratuit, oui. Ah d'accord, c'est parfait. Et par exemple, si je fais une fête, je peux faire une fête ou pas dans la chambre? Bah, à partir du moment où vous êtes dehors, oui, vous pouvez faire la fête, oui. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a des toiles, vous savez, des toiles comme pour les mariages où on met des trucs pour pas qu'il y ait la pluie qui tombe dessus, vous savez? Des quoi? Des toiles, vous savez? Contre la pluie. Si vous la portez, c'est bon, ouais. D'accord, ok. Et j'aurai un espace de... Sinon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez faire autre chose de votre vie. Ouais, mais juste une dernière question et je vous laisse tranquille. J'aurais combien d'hectares de place? Un quoi?
d'hectares quand je suis dehors. Je comprends pas. J'aurais combien de place en hectare? Combien de place en hectare? Bien sûr. Non? Bonne journée. Pas mal. Non mais en fait c'est pas que c'est la vie dans la ville, c'est pas que c'est l'hectare. Putain, j'aurais trop voulu rester. Là, mon gars, j'ai mal à la gorge là. Elle est très bien, c'est la petite.